pour moi, le championnat de France, c'est avant tout un moyen de voir où j'en suis de ma préparation, parce que depuis le mois d'octobre, on n'a pas eu de compétition, donc on a eu pas mal de périodes d'entraînement, donc c'est voir le jour J où j'en suis, qu'est-ce que je suis capable de faire. Alors pour moi, c'est pas du tout un test les France, parce qu'en fait, cette année, je me suis fixé pas mal d'objectifs, entre autres d'essayer de tout gagner. Voilà. Vraiment beaucoup. J'ai fait beaucoup de concessions. J'ai quitté mon travail, je vois ma famille la moitié de la semaine. Quand je suis ici, voilà, je me donne à fond. Et j'attends beaucoup de ces deux prochaines années. J'attends vraiment beaucoup. Donc mes objectifs sont bien élevés. J'espère gagner toutes les Coupes de France, gagner un max de Coupes du Monde, gagner le championnat d'Europe. Et voilà, tout. Essayer d'être le meilleur, quoi. Eh oui, c'est notre Ocean Bolt. Non, it was 570 and then it went to 580. Yes. Je suis arrivée assez détendue, donc j'avais pour objectif la victoire et si possible bien sûr améliorer mon record personnel. Donc sur le practice, j'ai eu d'assez bonnes sensations, donc j'étais bien en confiance. Les qualifications sont bien passées aussi, où je fais d'abord un 7,88 plutôt rassurant. Et après, sur les finales, j'y suis allée progressivement, jusqu'au dernier round de finale, où j'ai vraiment pu me lâcher et du coup établir mon nouveau record, hein, 7 secondes 62. Donc. Allez, c'est parti pour les deux. Est-ce que Aurélien va pouvoir accrocher Anouk? Déjà, Anouk, elle ne commet pas d'erreur. Elle est partie en mode fusée, Anouk Jobert, elle est en haut, elle tourne en 7,82. Déjà, avant de me lancer dans le run, je voulais vraiment essayer de me lâcher pour faire le meilleur temps possible. Donc quand je me suis mise en place, j'essayais d'être vraiment très réactive au bip de départ, donc ça j'ai réussi à bien le faire. Au niveau du départ, c'était très fluide, donc j'avais de bonnes sensations, j'étais vraiment bien partie. Et après, sur la fin, j'essayais de ne pas perdre de vitesse pour le finir rapidement. Là, dernièrement, j'ai fait quelques petits changements de méthode, donc ça s'est avéré plutôt efficace. Donc voilà, je suis contente. D'accord. C'est quoi les changements de méthode? Tu peux m'en dévoiler quelques secrets? Alors déjà, il y a la toute dernière prise. Au lieu de la prendre en pince comme je prenais avant, je la prends légèrement plus haut sur le bac, ce qui me permet d'accélérer juste le mouvement pour aller au buzzer, parce que c'est un peu ce qui me manque en Coupe du Monde. Je me suis fait plusieurs fois fait devancer là-dessus. Après, il y a un pied que j'ai décalé avant le jeter, donc au milieu de la voie. Pareil, je l'ai mis un peu plus haut pour me permettre de garder de la vitesse. Et après, c'est plus vraiment des détails de placement sur le bassin, à quel moment, à quelle distance du mur je dois être. C'est des choses comme ça. Et il s'accroche bien, Jocelyn, il s'accroche bien, il tient la barre à Jean, c'est incroyable ce Jocelyn tiré. Plus on va vite, plus il faut jouer sur des détails pour gagner du temps. Et c'est vrai que donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir la trajectoire la plus rectiligne possible. Et donc pour ça, dans l'idée, il faut que le corps ne bouge pas. Et c'est uniquement les membres qui se déplacent et qui nous font avancer. Et donc pour ça, ça joue beaucoup sur le placement du bassin et les choses comme ça. Oh, Rodrigo, on peut l'applaudir, mais quel talent! Pierre Robrayant et applaudissements pour Raphaël Castagnier. Allez, c'est parti. Alors attention, allez, Lucie sur l'air qui est légèrement en tête, mais Bonnet s'accroche, en Bonnet qui revient. Lucie Sorel qui est légèrement en avance et c'est Lucie Sorel, la championne de France. Alors cette année, on a décidé d'organiser le championnat de France de vitesse, d'escalade de vitesse, sur deux jours. Le premier jour qui est dédié à l'escalade de vitesse sur la voie record.
et le deuxième jour qui est dédié uniquement à la voie classique. Donc c'est une toute autre voie que celle qu'on rencontre sur les Coupes du Monde. Le but, c'est à la fois la voie record, c'est de continuer à promouvoir un peu l'activité vitesse par le biais de la voie record. Par contre, du coup, le fait de créer un deuxième championnat de France avec une voie entre guillemets classique permet à tout un chacun de pouvoir venir s'essayer à la vitesse sans être trop rebuté par le fait de ne pas avoir la voie chez lui. C'est un peu particulier parce qu'on n'a plus l'habitude, ça fait des années que ça n'existe plus. Il y a eu des Coupes de France à Valence ces quelques dernières années qui ont fait ce format, du coup c'est pas non plus nouveau, mais ça fait quand même toujours bizarre, on ne s'entraîne jamais en dehors de la voie officielle de vitesse. Du coup c'est un peu différent, mais ça a l'air sympa et ça donne envie d'essayer pour voir quel temps on va mettre sur la même hauteur, le même profil. Voilà, sur la voie record, on calcule tout, on place ses pieds, on pousse beaucoup dans les jambes. Donc du coup, on fait en sorte d'avoir toujours les pieds sur les prises. Et je sais qu'avant qu'il y ait la voie record, ou en tout cas en France, j'étais bon là-dedans, dans les voies aléatoires. Parce que justement, je faisais pas du tout attention à mes pieds et je bourrinais avec les bras et j'essayais d'aller le plus possible sans réfléchir. Et je sens qu'aujourd'hui, je vais pas réussir à faire ça. Je vais vouloir justement tout essayer de m'adapter à la voie et de poser mes pieds, avoir les mains au bon endroit, les pieds au bon endroit pour aller le plus vite possible, quoi. Et bon, je sais pas, on verra. On verra, je sais pas. On verra ce que ça va donner. Ah, allez, deux champions. Allez, attention, sur la junior, on va prendre le cadeau tout l'envers, sur l'instant, c'est avantage sur la petite junior. Marbeau des champions en tête devant le moteur, c'est Marbeau des champs, qui va prendre les 650 euros à gagner. Ouah, 650 euros pour Marbeau des champs. Et applaudissements pour Elma Fleuret. Allez, je reprends les applaudissements, s'il vous plaît. Un avantage quand même pour le grimpeur de gauche. Hein. En vert, et la spécialiste, c'est attention à Cornu. Attention à Cornu. Oh là là, qu'est-ce qu'il a dit pour que ça arrive? Allez, attention! Oh là là, double erreur de Manu Cornu, double erreur! Il a failli casser le mur de Baron et applaudissements s'il vous plaît pour Yann Le Cousquet, champion de France, il avait lancé avant! Oh, déjà, avec l'avance que tu avais au départ là, il ne faut pas s'arrêter comme ça! Hein. Faut y aller, il faut attendre si on dit faut départ, mais c'est dommage de prendre des risques et de rater. Bon, c'est Yann Le Cousquet qui prend les 150 euros et qui est élu champion de France!